Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev. Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. De l'autre côté, vous voyez que c'est la RDC. On est aujourd'hui le deuxième mois de l'année 2020. Ça veut tout simplement dire que nous sommes encore dans les normes. Je vous ai bien dit qu'en plein 21e siècle, si tu n'arrives pas à changer le cours de ton histoire, c'est que tu ne seras jamais riche. Aujourd'hui, trouver un business, ça devient quelque chose de très facile. Il suffit tout simplement que tu puisses faire un simple copiage. Et simple de faire ce que les autres font, et tu verras que ça va vraiment fonctionner. Je suis arrivé sur ma chaîne YouTube avec plusieurs business. Je vous ai parlé de Code One. Et d'ailleurs, je suis en train d'évoluer dans ce business-là. Ça me fait déjà 6 mois que je suis là-dedans. Parce que si on prend le 5 septembre 2019, la date à laquelle j'ai commencé ce business, et aujourd'hui nous sommes déjà pratiquement au 7 février 2020, ça veut dire que je suis déjà dans les normes de 6 mois. Est-ce que vous savez que dans ce business, en 6 mois, je me suis fait 33 000 euros, soit 21 millions de francs CFA que j'ai pu accumuler comme gain gagné dans Crowd One. Et je suis arrivé, je vous ai parlé. Vous avez vu des vidéos. Pour ceux qui sont intelligents, se sont lancés et ils ont pris le temps de concentrer dessus. Parce que l'avantage dans Crowd One, c'est que nous travaillons, nous gagnons des actifs numériques. Et ces actifs numériques prennent de la valeur. Et la deuxième des choses aussi, je suis arrivé avec une bonne plateforme de e-commerce qui s'appelle Sairu. Et à Sairu, comme je le dis toujours, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai démarré Sairu avec 40 comptes. Aujourd'hui, grâce au trading de Sairu, chaque après 10 jours, je me fais 196 000 francs CFA chaque après 10 jours. Puisque j'ai la possibilité de faire le trading 3 fois dans le mois. Et le mois, ça me donne 588 000 francs CFA. Là encore, j'ai pris le courage de me lancer là-dedans. Mais pourquoi je me suis lancé dans Sairu? Pourquoi je me suis lancé dans Code One? La question est très simple et voici la réponse. Je me suis lancé dans Code One et dans Sairu, c'est pour permettre à ce que je puisse avoir 2 grands business lourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à Code One, le mois je peux me retrouver avec 500 euros et qu'à Sairu, le mois je peux me retrouver avec 500 euros, le total me fera donc 1000 euros. Bon, en fait, à Sairu, on paye en dollars et à Code One, on paye en euros. Tu vois, ça, on appelle ça de l'intelligence financière. Si je me suis lancé dans ces grands business, c'est parce que je ne veux pas être manipulé. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne manquez de rien, vous êtes manipulé. Et dans la vie, s'il y a une chose qu'il ne faudrait jamais oublier, c'est le respect. Le respect, ça ne se vend pas. Est-ce que tu vois? Et donc, l'unique façon pour toi, pour trouver ta force, pour trouver ton respect, c'est de travailler dur, c'est de travailler corps et âme. Voilà pourquoi quand je viens sur ma chaîne YouTube avec des opportunités à faire comme ça, toi en profite. Tu sais, si tu ne prends pas le risque, tu ne pourras jamais développer tes business. Moi personnellement, j'ai signé un pacte avec l'Internet. J'ai signé un pacte avec les business en ligne. Parce que je sais que dans les business en ligne, je suis moi-même mon propre patron. Parce que je sais que dans le business en ligne, c'est moi-même qui prends ma décision. C'est moi-même qui avance. Et donc mon frère, si toi tu ne profites pas de Sairu, tu ne profites pas de Crowd One. Dis-moi, c'est quel business qui est fiable? Tu pourras te lancer dedans. Tu sais pourquoi je me suis lancé dans Crowd One? Mais c'est parce que dans ce business-là, je me fais des euros. Tu sais pourquoi je me suis lancé dans Sairu? C'est parce que dans ce business-là, je me fais des dollars. Mais quand je vais prendre cet argent, je convertis en francs CFA. Tu sais combien ça va me rapporter? Mais ça va me rapporter des millions. Est-ce que vous voyez? L'objectif ici, ce n'est pas devenir milliardaire, mais c'est au moins trouver de quoi t'acheter quelque chose à manger, de quoi acheter même une bagnole, de quoi acheter un terrain, s'il te manque un terrain. C'est ça en fait la vision. Mais comme vous voyez le diable partout, on vient avec des business. Non, c'est du pendu, c'est du scam. Mon frère, il faut te revoir. Hein? Ma soeur, il faut te revoir. Dans la vie, si tu ne prends pas le risque, tu ne pourras jamais évoluer. Tu sais, j'ai pris le risque, 4 millions de francs CFA. Que j'ai investi dans Sairu pour avoir 40 comptes. Mais aujourd'hui, mes 40 comptes sont en VIP2. Ça m'apporte combien par mois? 588 000 francs CFA chaque fin de mois. Mais le jour où tous mes 40 comptes seront au VIP5, ça m'apportera combien? 7 millions de francs CFA. Je peux y arriver en travaillant d'une façon intelligente, en réinvestissant dans ce business-là. D'ici 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne serai plus la même personne dans Sairu. Et si tu vois, mais je ne te demande pas de faire ce que j'ai fait, mais je veux tout simplement que tu puisses regarder qu'aujourd'hui, la vie,
on peut arriver à quitter de zéro et devenir un héros si seulement si on prenait la bonne décision. C'était le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro. Derrière moi, là-bas, c'est la RDC. Bye bye. Ciao, ciao. Les amis, prenez ça au sérieux. Merci.